salue tout simplement le monsieur le Seigneur Jésus-Christ. Each of us in the precious name of the Lord Jesus Christ. C'est une grande joie pour nous d'être ici. It's a great joy for us to be here. Et nous remercions Dieu pour cela. And we thank God for it. Amen. La joie, c'est. My joy is. Ma joie, c'est. Ce qui se passe à l'hôpital. My joy is what's happening in the hospital. Frère Jess, il fait que s'améliorer. Brother Jess is getting better. Et nous sommes vraiment dans la joie. And we are happy. Vous savez, dans la famille, même si une personne manque, you know, in a family, even if one person is missing, nous sentons vraiment son absence. We can feel their absence. Amen. Voilà pourquoi les regards de toute l'église et de toute la famille étaient tournés vers nous. That's why the whole family are looking after to him. Amen. Mais c'est une grande joie pour nous de servir le Dieu vivant. But it's a great joy for us to serve the living God. Parce qu'au moment de détresse, il y a ces dieux-là qui est notre refuge. Because in this sad moment, is that God is our refuge. Amen. Continuez à prier pour lui. Continue to pray for him. Que son rétablissement puisse faire vite. And may he get well quickly. Si nous voulons le voir ici parmi nous. Because we want to see him among us. Amen. Nous remercions les adieux. And for all we thank. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Alors sans tarder, without delay, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chroniques. We want to open our Bibles in the book of 1 Chronicles. Le verset 17. Verse 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Va dire à mon serviteur David, verset 4, « Ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où je fais monter Israël jusqu'à ces jours, mais j'ai été de tente en tente. » Et de demeure en demeure. Now it came to pass as David said in his house, that David said to Nathan the prophet, Lord, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord remained under a curtain. Verse 4, go and tell David, my servant, thou said the Lord, thou shalt not build me a house to dwell in, for I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel out. Israel unto this day, but I have gone from tent to tent and from one tabernacle to another. Amen. Then Chronicles 6. 2 Chronicles 6. Verset 2. Verse 3. Et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. But I have built a house of inhabitation for thee, and a place for thy dwelling forever. Amen. Let's pray, Lord. Béni sois-tu, ton Dieu céleste. Merci, Créateur des cieux et de la terre. Creator of the heaven and the earth. Donateur de tout nom excellent. Given of all excellent. Ton nom est le Seigneur Jésus. Your name is the Lord Jesus Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour la révélation de la parole. We thank thee for the revelation of the word. Au travers des lunettes de Malachi 4, Père. Through the glasses of Malachi 4. Nous pouvons discerner la parole selon ta pensée. We can discern the word according to your thoughts. En ce moment, Seigneur, comme nous approchons ta parole. At this moment, as we are approaching the word. Nous te prions, Seigneur, de nous donner le contexte. We pray that you give us the context. Donne-nous l'intelligence qui est en toi. Give us the intelligence that is in you. Inspire-nous, Seigneur, Père Béni. Inspire us, Father. Afin que nous puissions comprendre ce que tu as. So that we can understand what is. Nous avons vu dans la Bible, Seigneur, we saw in the Bible, que les gens ont mal compris Jésus, that people misunderstood Jesus, à cause de leur propre interprétation. Because of their own interpretation. Mais tu as envoyé un prophète aujourd'hui. But you sent us a prophet today. Confirmé par le colonne de feu. Confirmed by the pillar of fire. Pour nous donner ta pensée. To give us your thoughts. Bénis Seigneur chacun de nous. Bless
each one of us present. Béni Seigneur de la lecture de ta parole. Bless the reading of your word. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Pour le soir que le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais parler, je vais faire la suite de la prédication précédente. Today I will continue with the last sermon. Qui était notre demeure présente. Which was our present dwelling place. Amen. Amen. Et là, j'ai pris 1 Chronique 17. And there I took 1 Chronicle 17. C'est David qui avait envie de bâtir une maison pour l'Éternel. It's David who had a desire to build a house for the Lord. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Because David was a man according to the heart of God. Quand il est parti vers le prophète Nathan, when he went to the prophet Nathan, le prophète Nathan lui a dit, the prophet Nathan told him, que c'est un ordre, tu peux le faire. He said, it's an order, you can do it. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. So the word of the Lord came to Nathan. La Bible dit, the Bible says, va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Go and tell David, my servant, thou say the Lord, thou shalt not build me a house to dwell in. Amen. Donc David avait envie de construire une maison pour l'Éternel. David had a desire to build a house for the Lord. Il était tellement sûr dans son cœur. He was so sure in his heart. Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Because he was a man according to the heart of God. Amen. Il se disait qu'il n'y a pas de problème. Saying to himself, mais néanmoins, il est parti voir les prophètes. At least he went to see the prophet. Parce qu'Israël sait que because Israel knows, on ne peut rien faire sans consulter les prophètes. You can do nothing without first seeing, consulting the prophet. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans consulter les prophètes. Today we can do nothing without consulting the prophet. Parce que personne ne connaît la pensée de Dieu. Because no one knows the mind of God. Si ce n'est le prophète. It's only the prophet. Et Dieu n'accepte rien d'autre que sa propre. And God doesn't accept anything except His own mind, His own thoughts. Quand l'envie de construire un tabernacle a monté dans le cœur de David. When the desire of building a tabernacle came to David, David a résolu d'aller consulter les voyants. David thought to go and see the seer. Parce qu'un prophète, c'est un voyant. Because a prophet is a seer. Le prophète, c'est quelqu'un qui peut voyager dans l'éternité. A prophet is someone that can travel to eternity. Et voir les choses qui n'ont pas encore eu lieu dans le temps. And to see things which are not yet, that has not yet happened. In time, et ramener and bring it et vous le dire and tell it to you. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne discute pas avec un prophète. That's why we do not argue with a prophet. Si un prophète prononce la parole, if a prophet pronounces a word, c'est un amen. It's amen. C'est comme ça que Dieu l'a conçu. That's how God made it. Frère Branham dit qu'un prophète est conçu d'une manière que il n'a pas sa propre pensée. But Branham say a prophet is built in a way that He has got his own mind. His own un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a créé pour qu'il puisse travailler là-dedans. A prophet is a person that God created so that he can walk in him. Voilà pourquoi on lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. That's why they told him, do not drink, do not smoke. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Do not define your body in any way. Parce que j'aurai un travail à accomplir avec toi quand tu seras là. Because I'll have a work to do with you when you grow up. Parce que le corps du prophète c'est le temple de Dieu, du Dieu vivant. Because the body of the prophet is the temple of the Lord, the living God. Donc dans la pensée de Dieu, une demeure n'a jamais été un bâtiment. In the mind of God, a dwelling place has never been a building. David avait une bonne idée. David had a good idea. Il habite dans une maison somptueuse. He lives in a very nice house, une maison luxueuse, a very luxurious house. Quand il regarde le temple de Dieu, when he look at the temple of God, il voit le pot de bleu. He sees all le pot des animaux, the animal skins, qui ne sentait pas bien du tout, which will not smell, was not smelling good. Il s'est dit mais un grand Dieu comme Jéhovah. He said to himself, a big God like Jehovah. Comment est-ce qu'il habite dans une maison si sale comme ça? How can he live in a very dirty house? Et moi j'habite dans une belle maison. And I live in a very nice house. Ce n'est pas la même juste. That's not right.
Frère Noisy, de plus fort, et voir peut-être, c'est comme s'il y a quelqu'un, il y a une soeur qui m'avait écrit qu'elle voulait l'adresse de l'église. Peut-être, là, il peut voir. Il s'est dit que voilà, moi j'habite dans une très belle maison. He said, see, I live in a very nice house. Mais mon créateur habite dans une maison qui ne sent pas bon. But my creator lives in a house that doesn't smell good. Et dans son cœur, il s'est dit qu'il faut que je construise une maison pour lui. And in his house he said, I have to build a house for the Lord. Amen. Amen. Et quand il est parti vers le Nathan, le prophète. When he went to Nathan, the prophet. Et le prophète lui dit. And the prophet said. Oh, tu peux aller construire. Oh, you can go and build. Car tu es un homme selon le cœur de Dieu. Because you are a man according to the heart of God. Amen. Amen. Même le prophète Nathan s'est trompé. Even the prophet Nathan misled himself. Amen. Et après l'Éternel se révéla à Nathan. And after that, the Lord revealed himself to Nathan. Pour lui dire que ce n'est pas David qui lui bâtira une maison. To say that it's not David that will build me a house. Et que ça sera son fils. That it will be his son. Amen. La Bible dit quand je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. The Bible says, for I have not dwelt in the house since the day that have brought up Israel unto this day. Mais j'ai été de tente en tente. But I've gone from tent to tent. Amen. Amen. Or une tente, c'est un corps. Or a tent is a body. Amen. C'est Dieu qui changeait. It's God who changes. Il était dans Samuel. He was in Samuel. Il était dans Moïse. He was in Moses. Il était dans Isaïe. He was in Isaiah. Il était dans tous les prophètes. He was in all those prophets. Et Dieu prend plaisir à habiter dans les prophètes. And God had a desire to live in the prophets. Mais dans la pensée de David, but in the mind of David, il pensait que he thought, la maison qu'il fallait bâtir pour l'Éternel, how they were supposed to build for the Lord, devait être un bâtiment. It was supposed to be a building. Il a tourné ses pensées. He changed his mind. Dans la construction d'une grande église. Of building a big church. Amen. Amen. Bye bye bye. Amen. Et il dit que c'est son fils qui devait bâtir. And he said that it is son that has to build the tent. The temple. Et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement sans bouger pas. But I build in a house of an habitant for thee and a place for thy dwelling forever. This is Solomon speaking. Parce qu'on a dit à David que toi tu ne peux pas me bâtir une maison. He told David, you cannot build in a house. Mais ton fils me bâtira une maison. By your son, you build. Amen. Et lorsque Salomon est venu. And when Solomon came, Salomon construit un grand tabernacle. Solomon built a very big tabernacle. Et durant la dédicace, il y a eu la nuée de gloire qui descendait. At the dedication, a cloud came down. La gloire de l'Éternel avait rempli le temple. The glory of the Lord filled the temple. Amen. Amen. Alors David, Salomon s'est dit, and Solomon said, j'ai été bâti une demeure. I built the dwelling place où tu habiteras éternellement. Where you shall live forever. Amen. Comment est-ce que Dieu veut habiter éternellement dans quelque chose qui est fait avec des mains des hommes? How can God live eternally in something that man made? Lui est Dieu éternel. Him a living a eternal God. Donc on voit que même le temple de Salomon, we can see even the temple of Solomon, ce n'est pas le temple qui était dans la pensée de Dieu. It wasn't the temple that was in the mind of God. Ce n'était pas la demeure qui était dans la pensée de Dieu. It wasn't the dwelling that was in the mind of God. Amen. Maintenant, quand on arrive maintenant dans Jean au chapitre 2. So when we get to John chapter 2, Jésus parla aux Juifs. Jesus speaking to the Jews. La Bible dit, the Bible says, les Juifs prenaient la parole et lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Then also the Jews said unto him, what sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? Jésus leur répondit, Jesus answered, détruisez ce temple. Et en trois jours, je l'ai relevé. And Jesus also responded to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Amen. Là, on parle du temple de Salomon. Here they're talking about the temple of Solomon. On a dit à David, ce n'est pas toi qui me bâtirais une maison. So David, it's not you who will build the house. Mais ton fils me bâtirait une maison. But your son will build the house. Et tout le monde pensait que le fils en question c'était Salomon. Everyone was thinking that the son
was Solomon. Mais ici, Jésus était devant le temple de Salomon. And here Jesus standing in front of the temple of Solomon. Qui était censé être le temple de la promesse. Which was supposed to be the promised temple. Que Dieu avait dit que le fils de David lui bâtira une demeure. Which God said that the son of David will build him a dwelling place. Mais Jésus se met devant le temple. But Jesus standing before the temple. Il dit, détruisez-moi ce temple. He said, destroy this temple. Dans 3 jours, je le rebâtirai. In 3 days, I will rebuild it. C'était le plus grand miracle que Dieu a vu. It was the greatest miracle that he saw. Parce qu'on lui a dit, quel miracle nous montreras-tu? Because ask him, what miracle will he show us? Et le miracle en question, c'était de détruire dans ce temple. And the miracle was destroyed in this temple. Et dans 3 jours, je l'ai. And in 3 days, I will raise it up. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Listen now. Maintenant, ici là, here, on parlait du temple. Here, they were speaking of the temple. Amen. C'est-à-dire que les Juifs, means the Jews, et Jésus, and Jesus, parlaient du temple. Were speaking of the temple. Mais Jésus a sa pensée. But Jesus, in his mind, le temple, ce n'était pas le bâtiment qui était devant lui. The temple wasn't the building in front of him. C'était l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Nathan le prophète. It was the fulfillment of what God told Nathan the prophet. Que le fils de David lui bâtira une demeure. That the son of David will build him a house. Et cette demeure, dans la pensée de Dieu, n'a jamais été un bâtiment. And in that dwelling place, in the mind of God, has never been a building. Amen. Écoutez bien. Listen. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and without rear it up in 3 days, raise it up in 3 days. Verset 21, mais il parlait du temple de son corps. But he spoke of the temple of his body. Amen. Donc la demeure en question, c'était un corps. The dwelling in question was a body. C'est pourquoi le Père a dit qu'un homme, un être surnaturel ne peut pas habiter dans ce qui est fait avec les mains. That's what the prophet said. A supernatural man can never live in a house built by man. By the hands of man. C'est là le Père a dit que je ne pense pas qu'au ciel il y a des maisons qui sont construites là-bas avec des briques. That's what the prophet said. I don't think in heaven there is houses built with bricks. Donc quand Jésus a parlé, when Jesus spoke, il s'agissait bien du corps. It was about the body. Il est parti chercher le corps. He went to look for the body. Plutôt préparer le corps. Or prepare the body. Et quand il reviendra, when he will come, il le ramènera avec lui. He will bring it with him. Et ce corps en question, and that body in question, c'était un corps qui lui ressemblait. It was a body that resembled to him. Or, si Jésus est parti, and if Jesus is gone, et il est revenu, and came back, c'est-à-dire que la préparation du corps a déjà été faite. That's mean the preparation of the body has already finished. C'est ça le temple du Dieu vivant. That's the temple of the living God. Et la Bible dit, and the Bible says, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, and that's why when he was risen from the dead, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. The disciples remember that he spoke about it. Verset 21. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Amen. Amen. En ce moment, les disciples avaient maintenant compris que, at that moment, the disciples understood it. Le temple que Jésus parlait, that the temple that Jesus was speaking about, c'était pas le bâtiment de Salomon. It wasn't the building of Solomon. Mais c'était plutôt son propre corps. It was his own body. Mais en public, il n'a pas expliqué. But in public, he never explained it. Amen. Mais aux disciples, but to the disciples, il a expliqué. He explained it to them. Parce qu'ils ont reçu cela par révélation. Because they received it by revelation. Si vous regardez, Jésus n'a même pas expliqué. If you look properly, Jesus never explained. Mais ils avaient simplement compris après sa résurrection. But they understood it after the resurrection. Amen. C'est comme ça qu'il se passe des choses. That's how the things of God work. La Bible dit ceci. The Bible said this. David trouva grâce devant Dieu. Et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et c'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Ça, c'est la Bible.
de la suite de deux chroniques, de verset 6. Mais les trois n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Amen. Ici, on parle du temple de Salomon. Pierre explique un peu le temple, Salomon temple. Mais on dit encore que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de maison. But it's telling us that the highest does not live in the man-made dwelling place. Donc c'est-à-dire que c'était ni le temple de Salomon. That means it was a temple, the temple of Salomon. C'était ni le temple au désert. Not even the temple in the desert. Mais ici, le temple était un homme. But here the temple was a man. Maintenant, Moïse, quand il a construit le tabernacle, Moses, when he built the tabernacle, il avait construit le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu au ciel. He built it according to the model that he saw in heaven. Et qu'est-ce que Moïse a vu au ciel? What did Moses saw in heaven? Moïse a vu un homme. Moses saw a man. Amen. Amen. Moïse avait vu Jésus. Moses saw Jesus. Parce que le temple avait. Because the temple had trois compartiments, three parts. Donc il y avait les saints des saints. There was the holiest of holies. Les lieux saints. The holy place. Et les parvis. And the outer court. Corps. Body, esprit, spirit, et âme, and soul. Amen. Donc Moïse avait représenté ce qu'il avait vu au ciel. Moses only represented why he saw in heaven. Au ciel, Moïse avait vu un homme. In heaven, Moses saw a man. Comment est-ce que nous le savons? How do we know it? Parce que lorsque Jésus est venu, because when Jesus came. La Bible nous dit que c'est lui qui était le temple du Dieu vivant. The Bible said that he was the temple of the living God. Donc dans la pensée de Dieu, so in the mind of God, le tabernacle était un homme. The temple, the tabernacle was a man. Amen. Un homme a trois parties. The man had three parts. Corps, esprit et âme. Body, spirit and soul. Et quand la femme parle de la demeure future, but when God is speaking of the future home, les gens pensent que ça sera un tabernacle qui sera construit pour le millénaire. People think it will be a tabernacle built for the millennium. Et c'est la même erreur que Salomon avait commis. That's the same error that Solomon made. Salomon construisait le tabernacle. Salomon va building le tabernacle. Il s'est dit que voilà, je t'ai bâti une maison où tu habiteras éternellement. He said, there I built a tabernacle where you will live eternally. Amen. Amen. Et aujourd'hui, quand on parle du temple du millénium, and today when we speak about the millennium temple, nous continuons à penser que le temple en question sera un bâtiment. We still thinking that the temple in question will be a building. Voilà pourquoi nous sommes en train. Les Juifs qui prêchent, that's why the Jews are preaching, que bientôt ils vont récupérer Israël, that soon they will take over Israel, Jérusalem plutôt, Jerusalem, et ils vont construire les temples, and they will build a temple. Oh, les gens disent, oh frère, and people say, oh brother, tenez-vous prêt parce que les temples seront bientôt construits. Get yourself ready because the temple they will build soon. Ça sera le temple du millénium. It will be the temple of millennium. Et regarde, frère, madame me dit, what Brother said, selon mon entendement, according to my understanding, le temple qui sera érigé pour le millénium, the temple that will be for the millennium, c'est l'épouse. It's a bride. Amen. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait avec le millénium. Because God has lived in a man-made. Jésus était là devant Dieu alors qu'il s'est détruit dans ce temple. Jesus was in front of him and he said, destroy this temple. Et la Bible dit que le temple c'était lui-même. And the Bible said the temple was himself. Dieu avait refusé le temple. God refused the temple. Il dit, depuis là, je ne fais qu'habiter dans des tentes. And he said, since they have been living in tents. Et vous voyez, la Bible dit que les choses de Dieu ont une double signification. My brother said, the things of God had two meanings, double meanings. Quand il parlait des tentes, when he was speaking of the tent, et il pense que lorsqu'il s'est déplacé dans le désert, they were thinking when he was moving in the desert. C'était ça le temple. That was the temple. Mais le temple en question, the tent in question, c'était des hommes. It was men.
Parce qu'un homme, c'est une tente. Because a man is a tent. On dit à Moïse, tu feras les tabernacles et les 10 tapis de fin lin rétors et de toffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu représenteras les chérubins artistement travaillés. Là, Moïse maintenant prend un modèle au ciel. Moses took a model in heaven. Qu'il a représenté. That he represented himself. Amen. Et le frère Branham, quand il est venu, il nous dit que les quatre évangiles, ce sont les quatre êtres vivants. The four gospels are the four living Christians. Et le frère Branham dit que le livre des actes, and Branham said the book of Acts, c'est ça l'âge. That's the ark. Et les quatre évangiles, ce sont les gardiens. And the four gospels are the keepers. Amen. Amen. Et le livre des actes, le frère Branham dit que ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. And the book of Acts, Branham said, is the works or the acts of. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Is the acts or the works of the Holy Spirit in the apostles. C'est-à-dire que Dieu habitait dans les apôtres. That means God was living in the apostles. Voilà pourquoi le frère Branham nous représente le trône. That's what Branham, when he presented the throne. Voilà les éclairs. We see flashing light, huh? Eh bien, les éclairs. All the flashing light, right. Et il dit que lui, il était assis dans son trône. And he sat in his throne. Et quand nous voyons l'image, and when we look at the image, nous voyons un homme debout. We see a man standing. Amen. Amen. Il dit qu'il était au milieu des êtres vivants. He said he was in the midst of the living creatures. Oh, c'était ça le temple de Dieu. That was the temple of God. Mais quand on regarde la photo, when we look at the picture, on voit le temple. We see the temple. On voit le trône. We see the throne. C'était rien d'autre que l'homme. It was nothing else but a man. Parce que dans la pensée de Dieu habiter dans un bâtiment, c'est caduque. Because in a man of God, living in a building is nonsense. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu, that means God, n'est pas dans le faux-palais. He is not in something that attracts the eye. Ce n'est pas que bâtir une église est mauvaise. It's not building it doesn't mean building a church is bad. Amen. Amen. Mais Dieu n'habite pas dans ça. But God doesn't live in that. Parce que si on tourne le regard vers le bâtiment, if we look at the buildings, on va perdre Dieu. We will lose God. Pourquoi? Why? Parce que le temple qu'a bâti Salomon. Because the temple that Solomon built. Aujourd'hui, comme nous parlons, today as we are speaking, Dieu n'est plus là. God is not there. D'ailleurs, le temple est déjà détruit. The temple is already. Il ne reste que le mur. It's only the wall left. Amen. Et quand ils vont là-bas, when they go there, quand ils mettent leur requête dans le mur, when they put their request, the prayer request, ils reçoivent aussi. They receive. Et pour Israël, for Israel, oh Dieu est dans ce mur. That God is that is in that wall. Oh Dieu a quitté à longtemps. God left a long time ago. Amen. Amen. Donc c'est vrai que je vais donner un exemple. I will give an example. Si vous prenez une marmite, if you take a pot, qui est sur le feu, that is in a stove, et si vous l'enlevez du feu, and if you take it out of fire, vous le mettez par terre, you put it on the floor, l'eau est toujours chaude, the water is still hot, mais il n'y a plus de feu, but there's no fire. Amen. C'est ça qui se passe avec les lumières de la montagne. That's the same thing with the wall. Comme Dieu était là, because God was there, il y a quand même la puissance, there's still power. Mais Dieu n'est plus là. But God is not there. Parce que Dieu est dans sa parole. Because God is in his word. Lorsqu'ils avaient rejeté Jésus, when they rejected Jesus, ils avaient déjà rejeté la parole. They rejected the word already. Amen. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Lorsque le roi habitait dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voilà où j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Ça, c'est une question. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Amen. Quand le jour sera accompli et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi
Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Amen. Ici, tu veux remarquer, on ne parle pas de David. Pardon, de Salomon. Salomon. Parce qu'on dit ici, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Because they say it's him that will build a house in my name. Parce que le nom sera bâti au nom de l'Éternel. Because the house will be built in the name of the Lord. Amen. On voit que le temple de Salomon n'était pas bâti au nom de l'Éternel. The temple of Solomon was not built in the name of the Lord. Mais il y a un temple qui a été bâti au nom de l'Éternel. And there was one temple that was built in the name of the Lord. C'est le temple de Jésus. That's the temple of Jesus. Et il s'agissait bien de ça. It was. Parce qu'il dit, et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. And he said, I will establish always his kingdom forever. Parce qu'on voit que le trône, le royaume de Salomon est passé à longtemps. Because we can see the Salomon kingdom passed away long time ago. Amen. Le seul royaume qui ne passe pas, c'est le royaume de Jésus. The only kingdom that has not passed away is the kingdom of Jesus. Amen. Maintenant, le royaume de Jésus. Dans la prédication, the second coming of the Lord. In the preaching, the second coming. The second coming. Le frère Nambi, Jesus, when his disciples had got to a place that they were looking at the carnal or natural face of the earth. Now, here we want to stop just a few minutes. No, you want to take a minute? It doesn't have to always be carnal that will draw us away. Sometimes just the natural things will draw us away. Amen. Comme je l'ai dit aux enfants, ce que nous avions connu what we knew, en tant qu'humain as human, peut aussi être une dénomination. Can also be a denomination for us. Parce que quand on parle du temple, because when we speak of the temple, ou une demeure, or a burning place, tout le monde pense qu'une demeure c'est quelque chose de visible comme ça. Everyone thinks the dwelling place is something. C'est-à-dire un bâtiment là où les gens vont pour prier. Or a building where people go to pray. Mais ça, what I'm saying is, yes. Jesus, servant or disciples, was pointing to him the city temple, Jerusalem. Jésus ou ses disciples pointaient sur la cité de Jérusalem. Donc les disciples montraient à Jésus le temple de Jérusalem. The disciples were showing him the temple of Jerusalem. The great temple where God in his Shekinah glory had appeared in the holiest of holies. Le temple dans lequel Dieu apparaissait dans la gloire de Shekinah. How the great mastermind of God had ordained that this stone was cut in many places in the world and come together. And in 40 years of its erecting, there wasn't even to a buzz of so or the sound of a hum. It was so masterly put together, and that how God had come in over the cherubims, and it showed for his Shekinah glory, and how they had great hope in this great church. And Jesus told them, see not all these things, yet it was a holy place, it was a good place, it was a place, half of the dwelling of the Lord. Jésus dit, ne regardez pas à ça. Jesus said, don't look at this. Le frère dit, malgré que c'était un lieu saint, even though it was a holy place, c'était un bon endroit, a great place. Il dit, la maison où habitait le Seigneur. In the house where the Lord was dwelling. Il dit, but Jesus said, don't see these things. Ne regardez pas à ces things. I've got something to tell you that's far greater than this. J'ai quelque chose à vous dire qui est plus loin grand que ça. For there's coming the time. Il y a le temps qui vient. There, he said, that there will not be one stone left upon the other. Il dit qu'il n'y aura pas une pierre qui restera sur une pierre. Amen. Il s'était admiré le temple. Mais Jésus dit que j'ai des choses à vous montrer qui sont plus grandes que ça. Jesus said, I have things to show you which are greater than this. Écoutez-moi ce que le frère dit. Bon, vous vivez seulement
vivant dans une maison à trois pièces. Living in a house of three. Souvenez-vous ça. Remember. Vous pouvez avoir deux chambres à coucher. You can have two bedrooms. Vous pouvez avoir trois cuisines. You can have three kitchens. Mais vous ne vivez que dans une maison à trois pièces. But you only live in a house of three parts. Dieu a vécu dans une maison à trois pièces. God lived in a house of three parts. Lorsque Dieu était ici sur la terre, when God was here on earth, il a occupé une maison à trois pièces. He lived in a house of three parts. L'âme, so, le corps, the body, et l'esprit, and the spirit de Jésus. Of Jesus. Amen. Amen. Donc Jésus avait corps, esprit et âme. Jesus had body, spirit and soul. Donc Jésus était un homme comme tout autre homme. Jesus was a man as every other man. Frère, dit que Jésus avait reconnu sa position lorsqu'il avait écouté la prédication. Jesus knew his position when he heard the sermon. Amen. Même le frère Branham avait découvert qu'il était le prophète lorsque sa maman lui avait dit ce qui s'était passé lors de sa naissance. Even Brother Branham knew that he was a prophet when his mom told him about his birth. Amen. Parce que les gens pensent que Jésus était mort comme Dieu. Because people think Jesus died as God. Jésus est mort comme un humain. Jesus died as a human. Il a souffert comme un humain. He suffered as a human. Parce qu'il avait l'âme, le corps et l'esprit. Because he had soul, body and spirit. Et l'esprit de Dieu devait prendre le dessus sur lui. And the spirit of God was supposed to take over. Dans la statue du prophète, the statue of the prophet, my brother said this. Il dit les tabernacles. Bien sûr, c'est un endroit où nous allons nous reposer. He said the tabernacle, right, is a place where we're going to rest. Pour y trouver de la fraîcheur. To get some fresh. Comme le repos que nous procure le sommeil. As a resting, as we rest when we sleep. Amen. Et maintenant dans Hébreux 10. And in Hebrews 10. Au verset 5. Verse 5. Paul introduit cela. Paul introduced. C'est pourquoi Christ entra. That's Christ came in. Dans le monde. In the world. Dit. Say. Tu n'as voulu ni sacrifice. You didn't want any sacrifice. Ni offrande. Ni offering. Mais tu m'as formé un corps. But you formed me a body. Amen. Amen. Donc le tabernacle en question c'était Jésus. The tabernacle in question was Jesus. Le tabernacle pose la question. Qu'est-ce que le tabernacle maintenant? What's the tabernacle now? Un corps. A body. Dieu tabernacle dans un corps. God dwelling in a body. Amen. Ça veut dire que le tabernacle en question c'était pas un bâtiment. It doesn't mean that the tabernacle in question wasn't a building. Parce que la Hébreux, because in Hebrews, on parle de ce qu'on avait parlé dans le livre de Chroniques. They spoke about what it was, what it's about, what they spoke about in the book of Chronicles. C'est-à-dire que la suite du temple. That's mean the donc le temple n'était pas ce que David devait construire. The temple wasn't what David was supposed to build. Ni ce que Salomon devait construire. Or what Solomon was supposed to. Mais c'était le temple que Dieu lui-même devait construire. It was a temple that God himself was supposed to build. Et le temple en question c'était un homme. And the temple in question was a man. Amen. Et depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, quand Dieu parle d'une demeure, ce n'est pas un bâtiment. Since that time, when God speaks about a building, it's not a building. Amen. Amen. Le fait que la Bible dit ici que Dieu a parlé de Salomon. The Bible says Stephen. Stephen spoke of the back of Salomon. Qui construisit un temple. That built a temple. Il explique. Yes. Et Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. And the Most High does not live in a temple made by man. Il dit car le ciel est mon trône et la terre est mon marché. For the heaven is my throne and the earth is my work. Où se trouve Where is the place? Mais tu m'as formé un corps. But he said, you built me a temple. Amen. Il dit, vous y êtes. He said, tu m'as formé un corps. You form a body. Amen. Maintenant, ici, là, quand les gens voient ça, now, here, when people see this, les gens doivent maintenant changer leur pensée. People need to change their thinking par rapport à la demeure. According to the dwelling. Donc, quand on parle du temple, when you speak of the temple, ça n'a rien à voir avec le bâtiment. It has nothing to do with the building. Amen. Amen. Et le fait maintenant explique. C'est là où il a dit que le corps en l'état en question c'était Jésus. That's why he said the temple in question was Jesus. Comme la Bible dit dans Hébreux 10. And the Bible says in Hebrews 10. C'est pourquoi Christ en entrant dans le monde. That's why Christ entered in the world. A dit tu n'as voulu
ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. He said, sacrifice or offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Amen. Amen. Maintenant, c'est pourquoi le frère Brunet dit que les gens ont été confus lorsque Jésus est venu. That's what Brunet said. People were so confused when Jesus came. Parce que dans Malachie chapitre 3, on dit que quand le Seigneur viendra, il l'entrera dans son temple. Because in Malachi chapter 3, he said, when the Lord shall come, he will enter in his temple. Frère Brunet dit que chaque prédicateur à l'époque, but when they say every preacher at that time, pensait que Jésus allait descendre dans son église. They thought Jesus would come down in his church. Amen. Amen. Ça c'est noir sur blanc. That's black and white. Voici, j'enverrai mon messager. Behold, I will send my messenger. Il préparerait le chemin devant moi. He will prepare a way for me. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. And suddenly will enter, will come into his temple. The Lord you're looking for. The Lord that you're looking for. Ça veut dire que quand il viendra, that's mean when he comes, il va entrer dans le temple. He will enter into the temple. Frère Branham dit que Jésus n'avait pas d'église. My brother said Jesus didn't have a church. Il ne fréquentait pas qu'une église. He didn't go to any church. Voilà pourquoi ils n'ont pas cru à lui. That's why they didn't believe him. Parce qu'il n'est entré dans aucun temple. Because he didn't enter in any temple. Amen. Amen. Il est venu. He came. Mais il n'entre pas dans un temple. But he doesn't enter in a temple. Or ici le temple en question. Because here the temple. Frère Branham dit que c'était au fleuve Jourdain. Was in lorsqu'il était baptisé, when he was baptized, c'est là que le Seigneur entrait dans son temple. That's when the Lord entered into his temple. Amen. Amen. Sous le fleuve Jourdain, in the Jordan River, la colombe est descendue. The pillar, the door came down. Amen. C'est Dieu qui est descendu sous forme d'une colombe. It's God coming down in the form of a colombe. Amen. Of parce que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Because the Holy Spirit is not a dog. Le Saint-Esprit a simplement pris la forme d'une colombe. The Holy Spirit took the form of the dog. Et c'était vraiment dit que c'est Dieu qui entrait dans une portion de terre qui était rachetée. Amen. But when he said, is God entering in a portion of all that has been redeemed? Amen. Amen. La maison du pain de vie. The house of the bread of life. Que chaque croyant qui est né de nouveau, il est né à Bethléem. Rabbanan said, every Christian, every believer that is born again is born in Bethlehem. Amen. Amen. Parce que Jésus était né à Bethléem. Because Jesus was born in Bethlehem. La maison de pain de vie. The house of bread of life. Et ici nous voyons le Seigneur qui entre dans son temple. And here we can see the Lord entering into it. La Bible dit, et le messager de l'alliance que vous désirez. And the messenger of the covenant that you desire. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Whom he did, like, behold, he shall come, said the Lord of hosts. And then the Jews ont dit, then the Jews said, ce monsieur-là, ce n'est pas lui. That man is not him. Parce qu'il est parti dans aucun temple. He didn't go to any temple. Parce qu'en réalité, in reality, il doit accomplir l'écriture de Malachi. He was supposed to fulfill Malachi 3. L'Éternel entra dans son temple. The Lord will enter into his temple. Mais ce monsieur, by this man, il n'est allé nulle part. He didn't go anywhere. Si il est réellement le Messie, this is really the Messie. Il devait aller dans un temple. He was supposed to go in the temple. Et c'est pourquoi la femme au cœur dit. That's why the woman and nous adorons à Jérusalem. We worship in Jerusalem. Les autres adorent sur la montagne. Others are worshiping in the mountain. Et Jésus lui a dit. And Jesus said, le temps viendra. The time will come. L'heure est venue. And the time has come. Et l'heure vient. And the time will come. Où on adorera le Seigneur. Where they will worship the Lord. Ni sur la montagne. Amen. Not in the mountain. Ni dans les temples. Or in the temple. Amen. Amen. Mais on adorera le Seigneur en esprit et en vérité. But they will worship the Lord in spirit and in truth. Et la vérité, ce n'est pas dans un bâtiment. The truth is not about the building. La vérité, c'est dans un homme. The truth is in a man. Amen. Amen. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. The dwelling of the place of worship that the Lord has chosen. Amen. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi, ce n'est pas un bâtiment. The place of worship that the Lord has chosen is not a building. Frère Branham dit, si vous voulez connaître les lieux, but Branham said, if you want to know the place, regardez les lieux. Il a placé son nom. Look at the place where he placed his name. Mm. Amen. Okay. Frère, même au Béli, oh, mon église c'est Jésus Christ tabernacle. Even if we say, my church is Jesus Christ tabernacle. Mais ce n'est pas une adoration. It's not the worship, the place of worship. Amen. Frère, à l'époque là, the Bible says at that time, Dieu avait placé son nom en Jésus. God placed his name in Jesus. Et aujourd'hui, and today, Dieu a placé son nom dans l'épouse. God has
giving a blessing worship to them, c'est l'épouse. It's the bride. Voilà pourquoi Jean a revu un tabernacle. That's what John saw in tabernacle. Qui descendait des cieux. That was coming down from heaven. Qui était comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Which was like a bride prepared for the husband. C'était ça le tabernacle. That was the tabernacle. Le temple du millénium. The temple of millennium. C'est pourquoi les hommes ont dit à mon avis c'est l'épouse qui est ce temple-là. But that's what I'm saying. In my opinion, it is the bride that is that. Parce que si vous construisez un temple à Israël, because if you build a temple in Israel, pour le millénium, for the millennium, ça va briser l'écriture où Dieu dit que it will break the scripture where God said. Je n'habite pas dans ce qui fait avec le millénium. I don't have no live in the hand of men. Amen. Ils ont commis les erreurs durant tout ce temps. They made a mistake all those long. Et après l'ouverture des seaux, and after the opening of the seal, nous on aurait pu commettre la même erreur. I shouldn't make the same mistake. Parce que la parole est venue pour rendre les choses claires. Because the word has come to make things clear. Où on dit que le temple c'est pas une bâtiment. Where they tell us the temple is not a building. Amen. Il dit maintenant j'ai marqué. He said now notice. Les paroles même que Jésus lui a apportées. The word that Jesus himself brought. Quand ils étaient venus pour voir qui il était. Because they came to see who he was. Ils n'ont pas pu le voir. They couldn't see him. Frère Branham donne trois coups sur la chair. Hit three times, you know, ils ont vu la forme. They saw the form. Amen. Mais il était dans son temple. But he was in his temple. Amen. Pendant qu'ils cherchaient Dieu qui entrait dans ce bâtiment. Why they were looking for someone, God that would enter in the temple. Cherchant l'accomplissement de Malachi 3. Looking for the accomplishment of Malachi 3. Où le Seigneur entrait dans son temple. Where the Lord would enter into his temple. Frère Branham dit qu'ils étaient devant lui. Frère Branham said they were in front of him. Ils ont vu la forme. They saw the form. Il dit mais il était déjà dans son temple. But he was already in his temple. Il dit Dieu était dans son temple. He said God was in his temple. Voilà dans ce chair humain. There it is in a human flesh. Voilé dans une chair humaine. Veil in the human flesh. Amen. Amen. Et le temple. And the temple. Si c'était un homme là-bas. If it was a man there. Aujourd'hui, today, le temple. The temple. C'est aussi un homme. It's a man. Again. My. Et quand ils sont devant cet homme, when they are in front of this man, ils ne voient que la forme. They only see the form. Mais ils ne savent pas que Dieu était là en train de son tabernacle. They don't even know that God has already entered into his tabernacle. Et aujourd'hui, and today, ils sont devant les hommes. They are before men. Ils ne voient que la forme. They only see the form. Mais ils ne savent pas que Dieu est déjà dans son tabernacle. They don't even know that God is already in his tabernacle. Mm. Mais frère Jésus, my brother Jesus, where is Jesus? Mais je suis là. I'm here. Amen. Amen. Je suis là moi-même, le temple de Dieu vivant. I'm here myself, the temple of the living God. Tout ce qui a été, tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Everything that was in God, he poured it in Christ. Yeah. Tout ce qui a été en Christ, il a déversé dans l'épouse. Everything that was in Christ, he poured it in the church. Ça veut dire que tout ce qui était Dieu, that means everything that was God, il s'est démorphé en Jésus. He changed form into Jesus. Amen. Amen. Et tout ce qui était Jésus, and everything that was Jesus, quand il est parti, when he went, il s'est transformé en colonne de feu. He transformed himself in the pillar of fire. Il est retourné, he came back, il s'est déversé maintenant dans le peuple. He brought himself in the people. Dieu dans son peuple. God in his people. My. Comme on chante Lucas, Jésus l'a appelé. Jésus l'a appelé. Ah, c'est quoi? And you were saying, looking for Jesus in the ground is not there, he was in. Amen. Vous allez chercher Jésus, vous n'allez pas le trouver. You will look for Jesus, you will not find him. Parce qu'il a changé de forme. Because he changed his form. Il faut remarquer les paroles qu'il a prononcées. But I'm saying, notice the word that he pronounced. Si le grain de blé tombe en terre, if the seed of the grain of sin fall on the ground, et ne meurt, il reste seul. And die, he remains alone. Voyez, l'heure est venue. Behold, the hour has come. Et sera bientôt là où le Fils de l'homme sera glorifié. It will be soon where the Son of Man will be glorified. Voyez-vous, il va disparaître de cette terre. Behold, he has to disappear on this earth. Et si cette terre ne vient pas, and if this earth does not come, vous ne pourrez jamais le voir. You will never see him. Amen. Amen. Frère, vous prenez un grain de maïs. You take a maize. Vous plantez un grain. You sow it on the ground. Ça disparaît. It disappears. Amen. Amen. Après quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? After some time, what will happen? Le même grain, same seed, va pousser
Les Grecs, we will bring a plant. Une plante, parce que a small plant will come up. Amen. C'est le même idée. The same seed. C'est-à-dire que quand Jésus était mort, parce que when Jesus died, il est parti. He went pour devenir le disciple. To become the disciple. Donc le même Jésus de Galilée, that's the same Jesus of Galilee, est devenu 11 personnes parce que Jésus était Judas n'était plus. He became 11 persons because Jesus. C'est-à-dire que quand Pierre marchait, that's the when Peter was walking, c'est Jésus for Jesus. Parce qu'il était un Dieu de plus. He was a sin. Parce qu'il était le premier sur la résurrection. Because he was the first fruit of the resurrection. C'est ça que le Bible dit. That's what the Bible said. Quand Jésus revient, when Jesus comes, c'est un Jésus plusieurs. It's a man, Jesus. C'est pourquoi il dit que le monde me verra. That's the verse. That's why he said the world must see by you, shall. Parce que les, Dieu n'est pas un être physique. Because God is not a physical man. Dieu c'est un esprit. God is a spirit. Et cet esprit-là habite dans le peuple. And that spirit lives in the people. Voilà pourquoi les gens ont toujours une confusion de Dieu. That's why people have a confusion of God. Surtout nous les gentils. Especially us the gentiles. Pour nous Dieu c'est l'homme de Galilée. For us God is the man of Galilee. Ah, amen. Quand on dit que Jésus vient de Dieu, when we say Jesus comes from, nous pensons qu'il est l'homme de Galilée. He is the man of Galilee. Écoutez-moi ce qu'il faut dire. Listen to what Barani said. Parlant d'Apocalypse 11. Speaking of Revelation, il dit ceci. He says d'Apocalypse 11. Revelation 11. L'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et d'Élie. Their call, their ministry will be the ministry of Moses and Elijah. Qui appellera Israël à sortir des traditions judaïques? Which we call Israel to come out of the tradition of. Exactement comme les messagers du septième ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition. Exactly as the messengers of the seventh angel are called the bride to come out from the tradition. By the course of the tradition. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël. So remember, Moses and Elijah have to call Israel. Pour faire quoi? What to do? Abandonner la seule expiation. To forsake the old atonement. C'est quoi? What is it? L'agneau. The lamb. Les brebis. The lamb. Sheeps. Or the sheep. Les sang. The blood. Les boucs. The goats. Les sacrifices. All the sacrifices. Pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. To turn into the living sacrifice toward the world. Amen. Donc c'est-à-dire que quand on élimine déjà les sacrifices, that's the way we eliminate the sacrifice of the animals. Automatiquement les temples aussi changent. Automatically the temple changes. De fait, on continue. Problems continue. Et le messager de cette ange. And the messenger of the sous la même trompette. In the same trumpet. La trompette, c'est un évangile. A trumpet is a gospel. C'est-à-dire la même trompette. The same trumpet. Qui change la pensée des gens. Find my mind. That changed the mind of the Jews. Qui ôte les sacrifices des animaux. That takes away the animal sacrifice. C'est la même trompette. It's the same trumpet. Ou le même évangile. Or the same gospel. Qui ôtera de nous. That will take away from us. Les enlèvements des pentecôtistes. The rupture of pentecôtistes. Et le millénium des pentecôtistes. And the millennium of pentecôtistes. Il dit la même chose en tout point. It's the same thing in every point. Exactement le même saut. Exactly the same saut. C'est pourquoi. That's why appeler les gens, calling people, l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste, bride to come of pentecostal tradition, et de la tradition du monde, and the world tradition, et la tradition pentecôtiste c'est quoi? And what's the tradition pentecostal tradition? C'est-à-dire malakis nabamu. That means the ways. Their understanding, la façon dont ils comprennent la parole. They understand the way they understand the word. Donc c'est-à-dire que that means en tant que croyant, as a believer, si tu comprends la chose exactement comme un pentecôtiste. If you believe it or you understand it exactly as a pentecostal. C'est-à-dire que tu es sous la tradition pentecôtiste. That's mean you are in pentecostal tradition. Yeah, amen. C'est ça le problème. That's the problem. Parce que le travail de Frère Branham, the works of Frère Branham, c'est de changer nos pensées. It's change our minds. Donc, nous amener dans un exode. To take us to an exode. Parce que le problème de exode, c'est pas un exode physique. Because the third exode is not a physical. Donc tu es assis quelque part. You are sitting somewhere. Mais tu as besoin de voyager. But you are traveling. C'est un voyage de pensée. Traveling of my mind traveling. Donc il vient. He comes. C'est vrai que le Frère Branham dira tout.
That's true, but when I will say everything. Il va vous dire que oh, nous serons enlevés. Les gens vont disparaître. People will disappear. Il va le dire. He will say. Mais comprenez simplement que. But understand that. Ça là ne vous fait pas sortir. Et ça ne fera pas sortir des traditions pentecôtistes. That one will not take it out of Pentecostal tradition. Mais lorsqu'il dit, but when he says, que les cinq sens ne concernent pas l'enlèvement, the five senses doesn't concern. Pour les cinq sens ne sont pas concernés par l'enlèvement. The five senses are not they're not going for the rapture. Il s'agit de celui qui est à l'intérieur. It's about the one inside. Là maintenant, there, il est en train de vous faire sortir de la tradition pentecôtiste. He's taking you out of the Pentecostal tradition. Oh, tu dis, oh, je n'ai jamais vu ça comme ça. You say, well, I've never seen it like that. Ah bon? Really? À partir de ce moment, from that time, tu comprends maintenant que you will understand that l'enlèvement ce n'est pas ce qu'on connaissait. The rapture is not what we used to think. Amen. Amen. Parce que si vous regardez maintenant le plan, because if you look now the plan, vous allez remarquer que les deux jours d'Osée a déjà pu faire. You will notice the 2 days of Hosea has already ended. Nous sommes déjà entrés dans le troisième jour. We've already entered onto the third day. Même si vous prenez le calendrier julien, and if you take Julian calendar, vous prenez le calendrier romain, or Romans calendar, tous les calendriers vous mettez à genoux. Every calendar will put you on the knees. Parce que nous avons déjà dépassé l'an 2000. Because we've already passed the 2000. Mm. Or, l'épouse, because the bride, ne peut pas demeurer là pendant qu'Israël est appelé. They don't bear the one Israel is being called. L'épouse devait devoir quitter la scène. The bride has to leave the scene. Pour appeler Israël. To call Israel. Amen. Mm. Maintenant, tout le monde pensait que quand l'épouse va quitter la scène, les gens vont disparaître. Everyone thought when the bride will leave the scene, the brothers, les gens vont disparaître. People will disappear. Mais ils ont remarqué que they noticed that lui-même le messager, himself, the messenger, qui était censé amener les gens à who was supposed to take people in the rapture, il est mort. He died. Amen. Ça maintenant ça devait nous interpeller. This was supposed to wake us up. Essayez de regarder maintenant avec beaucoup d'attention le message du frère Branham. Trying to look with much more attention to the message of the Bible. Rabbanah went to preach the rapture. Après il prêche les choses qu'il doit faire. And preach the things that were supposed to be. Regardez maintenant les versets qu'il prend pour cette. Look at the scripture that he's seeking for that. Rabbanah dit que c'est un verset qui est utilisé pour le funérail. Rabbanah said it's a verse used for funeral. Amen. Donc c'est-à-dire que Rabbanah dans ce verset de la prédication il dit que lui qui partira comme ça. My brother said, in that preaching, he said, he will go like that. Il dit, je vais de vous partir aussi comme ça. He said, I want you to go like that too. Amen. Ma. Parce que le frère ne pouvait pas nous montrer quelque chose qui lui-même est incapable de le faire. My brother cannot show us something that he's incapable of. Donc si le frère était incapable de monter comme un oiseau dans le vent. If my brother was incapable of flying like a bird, ce n'est pas nous qui avons fait ça. That we're going to do it. Parce que certes nous croyons le message du frère Branham. We believe in Jesus. Mais cet homme-là avait une grande foi. But that man had a great faith. Si la foi de l'enlèvement pouvait faire en sorte que l'homme puisse partir comme ça. If the faith of the rapture could have made a man fly like this. Donc ça serait le frère Branham. That would be Brother Branham. Donc lui il était le messager prophète. He was the messenger prophet. Il était la tête de l'âge. He was the head of the age. C'est-à-dire que de la même manière qu'il sort de l'âge, that's mean the same way that he comes out of the age. Vous aussi vous sortez de la même manière. You too, you're coming out of the same way. Amen. Vous ne pouvez pas attendre quelque chose d'autre. You cannot wait for something else. Et en ce moment-là, vous comprenez maintenant que. At that moment, you understand. Je ne dois pas comprendre comme que. I shouldn't understand like that. Donc, maintenant, si le temple du millénium. Now, if the temple of millennium. Ce n'est pas un bâtiment. It's not a building. Donc c'est-à-dire qu'un millénium, ce n'est pas un rassemblement. That's me, a millennium is not a gathering. Parce que la nouvelle Jérusalem qui est descendue. Because the new Jerusalem. La Bible dit que c'était des hommes. The Bible says it was men. Et l'Éternel habitera avec eux. And the Lord will live with them. Donc ce n'est pas un rassemblement. It's not a gathering. C'est-à-dire à partir de là, that's me from there. Il sort de la tradition pagane. Comes out from the tradition of pagan tradition. Le Bible continue. The Bible continues. Pour se tourner vers la parole. To turn toward the word. Expiation. The atonement. La parole. The word. Christ est personnifié dans sa parole ici. Christ personified in his word here. Fait chair parmi nous. Made flesh among us. Amen. Maintenant. Non.
Fais mal une part. Le temple du millénaire. He speaking to us in the temple, about the temple of millennium. The father of God did this. My man is saying this. Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être un. God is entered into a place that was supposed to be anointed. Et qui lui avait été remis pour les gens viennent, pour que les gens viennent y adorer. And a place that was given to him for people to come and worship. Ici nous sommes dans le sixième but. Here we're in six purpose. Donc non pas pour honorer ton lieu saint. Not to anoint your holy place, mais pour honorer ce lieu. But to anoint that place. Le saint des saints. The holy of holies. Enfin, si vous remarquez même le saint des saints. If you notice the holy of holies. C'est un saint. It's a holy. Et plusieurs saints. And many saints. C'est un saint. One holy. Des saints. Of holies. Amen. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem. And anointing will be on the new Jerusalem. Est-ce que c'est l'ancienne Jérusalem? Is it the old Jerusalem? Non. Non. C'est quelle Jérusalem? What new Jerusalem? Qui descend du ciel d'auprès de Dieu? That comes down from heaven. Préparez comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Prepare as a bride that prepare for a bridegroom. L'onction sera sur eux. The anointing will be on them. Il dit maintenant, et. Il dit bon. Et quand Zerubbabel a fait la dédicace de son temple. And when Zerubbabel made the dedication of his temple. Après qu'il a été construit. After it was built. Il n'a pas été oint de nouveau. It was not anointed. Pourquoi? Why? Parce qu'il avait déjà été oint. Because it was already anointed. Amen. Donc le temple de Zerubbabel était déjà prêt. The temple of Zerubbabel was already anointed. Il avait été démoli par la suite. It was destroyed after. Et il avait simplement été rétabli. And it was only re-established. Amen. Donc ça dit qu'un temple on ne voit pas deux fois. That means a temple you do not anoint it two times. Une seule fois. Once. Si on construit le temple sur le temple de Salomon, if we build a temple on the temple of Solomon, ça n'a pas besoin d'onction. It's not. It doesn't mean the onction. Parce que cela a été déjà point. That one was already anointed. Amen. Amen. Il dit, il avait été rétabli et relevé. It was established and lifted up. Alors il n'y avait plus à loindre. So it didn't need to be anointed. Une fois qu'il avait été point. Once. Il n'avait plus besoin d'être moins une fois qu'il a été moins. Once it was anointed, it doesn't mean to be. Il dit, ça restait valable. Instead. Et ça l'est encore aujourd'hui même. And it's still the same today. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, when God will establish the tabernacle of millennium, il oindra les saints des saints. He will know the holy of holies. Non pas ton lieu saint, not your holy place, mais les saints des saints. But the holy of holies. Donc ici le temple de millénium, ce n'est pas le bâtiment. Here the temple of millennium is not that building. Parce que c'est déjà quoi? Because it's already me anointed. Amen. Il dit, mais quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, but when the king will go to the temple for 1000 years, glory, c'est terminé pour elle. It's finished for her. En ce moment-là. At that time. Il dit, l'onction du Saint-Saint, c'est the holy of holies, ce sera la dernière chose à se produire. It will be the last thing to be fulfilled. Quand le tabernacle est érigé, when the tabernacle is. Quelle résurrection s'est produite? And the resurrection is brought come to pass. Que les Juifs sont retournés. That the Jews have returned. Et que Christ et son épouse sont arrivés. And Christ and his bride has come. Que les Juifs et 144,000 sont scellés. And the Jews and the 144,000. Et que le millénium a eu lieu. And the millennium has taken place. Amen. Le Père nous dit que. The Bible says. La dernière chose qui va se produire c'est la dédicace de ce temple. The last thing that will happen is the dedication of that temple. Si vous avez le temple de Salomon, if you go back to the temple, la dédicace était la descente dans l'eau. The dedication was the coming of the cloud. Oh, on ne peut pas dédicacer un temple. They cannot dedicate a temple avant la fin de la construction. Before the end of construction. Et nous avons vu que le temple épouse a été construit. And we see the temple bride was built. Depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge d'Éphèse. Since the age of Ephesus to Lycia. Maintenant, quand nous arrivons à la fin de l'âge, when we get to the end of the age, nous voyons maintenant la même dédicace du temple de Salomon. We see the same dedication of the Salomon temple. Qui descend?
that comes, la nuée de gloire, the cloud of glory. Et le fait qu'on a mis en ce moment-là, I want to say at that moment, la résurrection s'est produite. The resurrection has happened. Amen. C'est-à-dire après la dédicace du temple, after the dedication of the temple, la résurrection doit se produire déjà. The resurrection is supposed to be parce que le temple est dédicacé par la nuée. Because the temple is dedicated by the cloud. Comme au temps de Salomon. As the temple. Il dit en ce moment-là la résurrection s'est produite. He said at that time the resurrection was. Que les Juifs sont retournés. The Jews returned. Amen. Que Christ et son épouse sont arrivés. The Christ and his bride have come. Que les Juifs, les 144,000, sont scellés. That the Jews and the 144,000 are sealed. Et que le millénium a eu lieu. And the millennium is taking place. Amen. Il y a beaucoup de grandes femmes dans cette salle ce soir. There's a lot of brave women. Des femmes honnêtes, honest, respectables. Mais il n'y a qu'une Madame William Branham. There's only one Madam William Branham. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. That's the one who goes home with me. C'est elle qui est ma femme. She's the one that's my wife. Il y a des bonnes gens dans le monde. There's a brave man in the world. Bonnes églises. The good churches. Mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. But it's only one Madame Jesus. Et c'est elle qui vient chercher. And it's for her that she comes. C'est là que se trouve son nom. And that's where his name is. C'est là que se trouve son adoration. That's where his worship is. En elle. In her. Et en elle seule. Her only. C'est vrai. It's true. Oui, monsieur. Yes, sir. Nous voyons que c'est vrai. We see it's true. Donc le temple, the temple, la demeure de Dieu, the dwelling of God, c'est son épouse. It is bride. Et quand il descend, and when he comes, pour prendre son demeure, sa demeure, to take his dwelling place, il habite dans les hommes. He lives in men. Je vais prendre ma Bible. I'll take my Bible. Pour construire, je vais lire dans Ecclésiaste. Tu conclude, I will read Ecclesiastes. Ecclesiastes chapitre 12. Chapitre 12. Verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9. Je commence au verset 7. I will start with verset 7. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Donc je vais commencer un peu en hausse. La Bible dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent et les hommes forts se courent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et je sors, je vais verset 8. Avant, c'est d'abord, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la manière fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cabre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle.
Amen. Amen. Et les pleureurs parcoururent les rues, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. La Bible nous dit que. C'est pas plus simple. Il dit où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la manière fleurit, où la sauterelle devient pesante, c'est. Où la table n'a plus d'effet. Pourquoi? Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Amen. Et le pleureur parcourir les rues. Donc la demeure éternelle de l'homme, so the eternal living of man, c'est le corps que Jésus a préparé. It's the body that Jesus has prepared. Amen. De la même manière que le temple était Jésus. The same way the temple was Jesus. Comme le dit le frère Branham ici. Que le temple, c'est l'homme. It's a man. Donc la demeure de Dieu, c'est l'homme. So the dwelling of man. Mais quand Jésus est parti préparer. But when Jesus went to prepare. Il est parti préparer le temple. He went to prepare the temple. Et quand il est retourné. And when he came back. Il a ramené le temple. He brought back the temple. C'est pourquoi le frère Branham nous dit que. That's what Branham was saying. Que ça est ici. That is here. Amen. Amen. Faut que votre état glorifié. But when I say your glorified state, votre corps glorifié, your glorified body, est ici même dans ce tabernacle. It's here in this tabernacle. Ephesians 2. Ephesians 2. Verset 20. Verse 20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est là que Dieu a créé nos corps. That's where he called created our bodies. Et dès 1 Corinthiens chapitre 2, vous faites 1 Corinthiens chapitre 2. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Voilà le tabernacle, c'est ce que Jésus était parti pour ça. So, behold, the tabernacle that Jesus went to prepare. Et quand Jésus est revenu, when Jesus came back, il a ramené le tabernacle. He brought back the tabernacle. De la même manière qu'il a refusé d'habiter le temple de Salomon. In the same way that he refused to live. Et de la même manière, il n'habite pas aussi dans un bâtiment. In the same way, he doesn't live in the building. Voilà pourquoi il nous a bâti le corps. That's why he built us 10 bodies. Et Ecclésiaste dit. Une fois que le cordon d'argent se coupe, avant que le cordon d'argent se détache, il dit l'homme s'en va dans sa demeure éternelle. C'est même goes in his eternal. Amen. Amen. C'est dans cette demeure là que l'homme vit éternellement. In that dwelling place that man lives eternal. Donc le tabernacle en question, so the tabernacle in question, c'était le corps. It was God. C'était le tabernacle. It was the tabernacle. Donc quand Jésus est descendu, when Jesus descended, dans le niveau de gloire, in the glory, in the cloud of glory, il est descendu avec le corps. He came down with the temple. Aujourd'hui, today, ces corps là sont ici. Those bodies are here. Ce n'est pas un futur. It's not a future. Donc ce n'est plus notre demeure future. It's not our future home. C'est notre demeure présente. It's our present dwelling place. Parce que ça y est ici. Voilà pourquoi quand le frère Branham a prêché cette prédication. That's why one brother preached this sermon. Quand il faisait des mesures, when he was doing all the measures, les gens pensaient que ça serait une ville. People thought it was it's going to. Mais la Bible dit que c'est une mesure d'homme. The Bible says it's a measurement of man. Yeah. C'est une mesure d'homme. Man measurement. Donc la ville en question c'était des hommes. The city in question was men. Voilà pourquoi à la descente de la nuée. That's why in the coming of the cloud. C'est Christ qui descend avec son. It's Christ coming down with his bride. Ça veut dire que ceux-là qui étaient partis dans le mouvement. That's mean those who went to the rapture. Ils retournent maintenant. Coming down, coming back. Et les corps glorifiés. And the glorified body sont ici. Are here. Amen. Ce n'est pas le futur. It's not the future. Et c'est qu'on glorifier. And those glorified bodies. C'est ça notre demeure éternelle. That's our eternal dwelling place. C'est là que l'homme a été destiné pour vivre. That's where man was
meant to live. Ce n'est pas un bâtiment. It's not a building. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qu'il fait avec les maisons. Because God doesn't live in a sanctuary man. Maintenant, amener la pensée de Dieu. Having the mind of God. Nous comprenons que. We can understand. La demeure. The dwelling. C'est un corps. It's a body. Que le Seigneur vous bénisse.
remercie le Seigneur d'avoir rétabli ta souveraineté. Mais on doit attaquer. Prions tous. Et là, maintenant, je te dis, pour moi, Seigneur, combien de soins on est dans les yeux. Combien de merci on est dans les yeux. Jesus, 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 Jes
Thank you.